Au revoir maman. Au revoir Sophia. Oui, on est en train de charger la voiture. Bon, on en a pour une trentaine de minutes. On va aller faire des petites courses. Coucou. Papa. Oui, on va y aller. Papa. Oh. Ben, y en a une qui s'amuse bien ici. Ouais. Tu voudrais aller te promener? Balade? Sushi en balade? Ouais. Assis. Oui, c'est bien. Donc là, on est au restaurant. Non, papa. Oh non, t'as fait tomber. C'est pas grave. Tout propre. Je pousse. Oui. Ah, le petit goûter. Donc voilà le lodge. C'est sans électricité. Il y a de l'eau courante. Donc là, alors la chambre des petits, elle est géniale. Regardez, hop, tu ouvres. Et là, ils appellent ça un lit cabane. Bon, c'est un lit clos en fait. Et on va montrer la chambre de papa. Miam miam, le goûter. Ah oui. Ah, la chambre de papa, c'est simple. J'aime bien la déco. Qu'est-ce que je peux vous montrer? La chambre, enfin les toilettes et la salle de bain. On y va. Wow. Alors du coup, c'est sans électricité, donc sans lumière. Donc à la bougie, j'ai la flemme d'en allumer une. Donc là, c'est la douche. Fais attention, chef. Hop, et là. Sympa. On fait des tours, on marche. Parce que là, on est à la fin de journée. Et la fin de journée, c'est souvent pas le moment le plus simple. Et c'est cette position-là qu'elle veut absolument. C'est une position pourrie que je déteste. Mais bon, mademoiselle veut voir le monde. Tu veux voir le monde, mon cœur? Donc là, on est en train de rentrer les vaches. Elle est pas contente. Toi, t'es contente? Oui. Papa! Non, elle est pas contente. Les bébés en vidéo. Hop, et là. Waouh! Les bébés au milieu des vaches. Ah, je me suis mangé la main! Vas-y, mets ta main. Mets ta main, elle te lèche. Mais non, ça pique pas. Elles veulent pas ta paille? Non. Vas-y, donne. Oh non. Elle mange tout. Tiens, vache. Elle est en train de faire dodo. Pour combien de temps, je ne sais pas. Du coup, je vais en profiter pour ranger le linge parce que j'ai laissé de côté pas mal de choses. Donc je vais faire ça, si j'ai le temps je peux le plier et ranger, ce serait parfait. Si j'ai pas le temps, bah tant pis, on mettra ça à plus tard. Et voilà, je me dépêche. Papa. C'est la nuit, on a fini de manger. On va aller doucement au dodo après le brossage de dents. Je me suis motivée, j'ai tout changé de place, le salon. Genre le canapé avant il était comme ça, la télé elle était là, ça c'était juste retourné comme ça. Je sais pas ce qui m'a pris, en fait j'aime pas laisser les choses pareilles pendant trop longtemps, donc là je me suis chauffée, j'ai tout changé. Mais en vrai je dirais même que ça rend mieux, genre je préfère, c'est plus joli je trouve. J'ai à faire une petite douche, ça fait du bien. Je me suis dépêchée parce que je sais que les siestes de Aria, c'est souvent
très rapide. Donc là, c'est bon, j'ai fait ma douche, je me suis habillée, j'ai pris les premiers trucs qui venaient. Et là, je m'attaque au linge, du coup, parce que j'ai plein de machines en retard. Donc j'essaie de rattraper au maximum. Comme ça, fin de semaine, on n'est pas embêté. On arrive avec le bois. T'as besoin d'aide? Non. Ok. Là, c'est miam miam, elles font tout miam miam. Waouh! Elles ont très faim, oui. Salut toi. Ça, c'est la petite routine habituelle. On va un peu s'ambiancer, je pense, sur ça. Les tomates qu'on a été chercher avec les œufs des cocottes de ce matin. Ah, vas-y, va toucher encore alors. Si tu as pas peur. Non, ça pique pas.